bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Magie Chazzy. Écoutez, ce soir, je vais vous parler de quelqu'un dont je vous ai déjà parlé en fait. Ok, c'est parti, c'est maintenant. Oui, effectivement, je vous ai déjà parlé il y a quelques semaines d'un monsieur, un très grand monsieur qui s'appelle Jack Carpenter, que l'on a eu ici d'ailleurs en conférence à Poitiers. Et je vous avais présenté un de ses effets qui était Carte Matrix, que j'avais adoré, qui d'ailleurs vous a beaucoup plu. Et bien ce soir, je vous présente un nouvel effet de Jack Carpenter qui s'appelle Quantum Theory et qui est extrait d'un de ses DVD qui est paru en 2003. Donc je vous mets les liens dans la description, vous voyez tout s'afficher ici. C'est sorti c'est en 2003 et ça s'appelle Magic of Jack Carpenter. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller dans la description, vous avez tous les liens pour pouvoir retrouver évidemment les effets décrits ici. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un très bon visionnage et surtout un très bon week-end bien sûr. Allez. Alors pour cet effet, je vais avoir besoin de avant tout poser une prédiction. Puis je vous montre quand même. Jeu de cartes, hein. D'accord. Alors d'habitude quand j'ai quelqu'un, la carte qui va être choisie après peut être signée, mais bon. Là, voilà, on est entre nous. Voilà, donc une prédiction. Parfait. Et on va travailler avec quelques cartes. Alors, je vais vous en parler après. On va voir. 1, 2, 3. Voilà, et voilà. Parfait. Oui, non. C'est bon. Donc. 1, 2, 3 et 4 cartes. Pas une de plus, pas une de moins, d'accord? On les laisse là. Une prédiction sur la table. Et une carte est choisie au hasard. Tenez, le 4 de cœur, par exemple. Très bien. Eh bien, tenez, ce 4 de cœur, on le perd. D'accord? Quelque part, dans le milieu du jeu. Ok. Pas dessus. Pas dessous. Est-ce que vous vous souvenez que tout à l'heure je vous ai parlé de mes 4 cartes? 1, 2, 3, 4 cartes. Et bien ces 4 cartes, ce sont en fait les 4 dames. 4 dames, et on va jouer tout d'abord avec la première dame, dame de trèfle, que l'on va mettre ici avec la prédiction, suivie de la dame de pique. Dame de pique avec la prédiction, dame de trèfle, dame de pique, dame de cœur, dame de carreau. Il suffit juste de passer au-dessus comme ça. Est-ce que vous avez vu? Et pourtant, maintenant, les dames noires sont passées à la place des dames rouges. Effectivement, si maintenant les dames noires sont passées à la place des dames rouges, forcément maintenant ici on a les dames rouges à la place des dames noires avec la prédiction. Vous êtes en train de vous dire, mais quelle est cette prédiction? Souvenez-vous qu'au départ vous avez choisi une carte, une seule, et ça tombe bien. Parce que c'est évidemment le 4 de cœur.